Au Venezuela, le président Nicolas Maduro a appelé les forces armées à s'opposer à ce qu'il a appelé tout conspirateur de coup d'État. Cette déclaration intervient après un soulèvement militaire manqué. Les forces soutenant le chef de l'opposition, Juan Guaido. Par ailleurs, une femme a été tuée et des dizaines d'autres blessées lors d'affrontements entre partisans de l'opposition et forces armées à Caracas. Les partisans de Guaido et de Maduro sont descendus dans les rues après que le chef de l'opposition a appelé aux plus grandes manifestations jamais organisées pour renverser le président.